Shalom les femmes de foi, les femmes de promesse, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse, que l'Éternel mon Dieu vous fasse énormément du bien. Mais chez nous tout va bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel mon Dieu vous bénisse. Beaucoup de personnes se font passer pour Maman Clozel. Retenez, je le dirai encore et encore, je n'ai pas une page Facebook, je n'ai pas un compte Facebook, je n'envoie pas d'invitation aux gens, je ne demande pas aux gens de m'envoyer de l'argent. Si quelqu'un, même un numéro d'Afrique, te dit c'est Maman Clozel, elle est en Europe, elle est au Bénin, elle est dans un autre pays, détrompe-toi. Le seul numéro que j'ai, c'est le numéro qui est dans la description de cette vidéo, ainsi que le numéro de tous les représentants de Clozel Ministries, la foi triomphante. Alors, ne vous faites pas piéger. Cette prière, normalement, elle est spécialement à partir de minuit. À partir de minuit, viens réécouter, écouter, écouter encore. Parce que dans ce 40e jour, l'Éternel a mis à cœur alors cette prière pour tous les couples. Oui, tous les couples ont le droit de porter des enfants. Tu as le droit de tomber enceinte. Tu as le droit d'aller de l'avant. Tu as le droit d'avancer. Tu as le droit aussi de rire. Tu as le droit toi aussi d'allaiter, tu as le droit aussi de porter tes enfants entre tes mains, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel notre Dieu, il est le Dieu inchangé. Il a dit alors dans le livre de Genèse 21, verset 1 à 2, écrit tout va bien, dit tout va bien. Il dit alors, et le Seigneur visita Sarah comme il avait dit. L'Éternel notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il dit, car Sarah conçut et devint alors enceinte dans sa vieillesse au temps fixé par Dieu. Le temps fixé par Dieu est là pour toi. Tu dois porter le fruit des entrailles. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Dans ton mariage, dans ton foyer. C'est la volonté de Dieu que toi tu puisses porter des enfants. Alléluia. Chaque union chrétienne ou même des païens ou même musulmans ou je sais pas quoi, bouddhiste, vous avez le droit d'avoir des enfants, car les enfants, c'est une bénédiction de l'Éternel. L'Éternel dit, béni soit l'homme qui en remplit son carroix. Tu as le droit de rire. Tu vas lire le psaume 127. Notre Dieu, il est fidèle. Tu dois savoir alors que Dieu s'attend que nous puissions le prier aussi, que nous puissions aussi le demander pour avoir alors tout ce que nous désirons. Dans la Bible, il y a des femmes que Dieu a rendues fécondes, mais au moment opportun, alors il a pensé à eux. Est-ce que tu penses que tu n'as pas le droit de demander les enfants à Dieu? Tu en as le droit. Mais d'une manière alors, les enfants sont censés venir d'une manière naturelle. Mais parfois alors, la procréation devient un combat dans ton couple. Parfois alors, le diable est à l'œuvre. Il est là en train de lier, de ligoter, de fermer ta joie. C'est pourquoi nous allons engager alors dans la prière de minuit. Cette prière, tu vas venir écouter, réécouter encore. Pour que tu rentres alors, pour que tu remportes le trophée, pour que tu remportes ton miracle, pour que tu rentres alors dans le fruit des entrailles. Ces points de prière de minuit vont te permettre alors de briser l'emprise du diable sur ta fécondité, sur ton ventre au nom puissant de Jésus-Christ. Cette prière va te permettre de rompre, de briser les chaînes de l'ennemi sur tes entrailles au nom de Jésus. Ne te trompe pas, toute maladie ou oppression du diable, tu vas le lire dans Actes 10, verset 38. Peu importe la cause de la stérilité, tu dois savoir que Dieu veut te voir fécond. L'Éternel ne veut pas te voir pleurer. La stérilité, c'est le point de contact de l'ennemi. Laisse que l'Éternel te délivre. Que le médecin vous dise fibrome, inflammation pulvienne, trompe bouchée, quoi encore, endométriose, MST, IST, je ne sais pas quel nom que tu connais. Ces oppressions-là, ça vient du diable. Les démons prennent le dessus et changent alors les noms. Prends ta vie au sérieux. Lève-toi. Tes entrailles doivent être libérées. Nous allons prier pour que toi tu rentres dans la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je te parle? Écris, tout va bien. Il y a aussi des scénarios où les médecins alors ne trouvent rien du mal. Mais à cause des couples qui portent alors tellement de problèmes, ils vont vous donner une raison, même parfois pour vous stresser ou alors pour que vous les laissez tranquilles. Là où tu as connu les oppressions, que le diable veut ou non, cette prière va te permettre de surmonter cette étape et de porter tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après cette prière, attends-toi à rencontrer de grands miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as le droit de porter des enfants, tu as le droit de tomber enceinte, tu as le droit de rire au nom de Jésus, mais augmente ta foi. Ta foi va jouer maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour que tu sortes de la stérilité chronique au nom de Jésus, que ce soit primaire ou secondaire.
Tu dois rentrer dans la fécondité maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Alors que nous sommes en train de prier, que les fruits des entrailles en ce jour te visitent maintenant comme ça a visité Sarah, notre grand-mère, notre maman, au nom puissant de Jésus-Christ. La force qui a visité Sarah rentre dans tes entrailles maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je te couvre du sang de Jésus et je demande à l'Éternel de te pardonner de tous tes péchés en ces 40e jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Respire fort. Respire, aspire et expire, fais-le 7 fois. Aspire et expire, fais-le 7 fois. Fais-le 7 fois. Encore, encore, encore au nom de Jésus. Toi, pouvoir qui affaiblit la foi de ma vie, lâche prise au nom de Jésus. Je refuse de devenir faible au jour de l'adversité. Au jour de mes attentes, je refuse d'être faible dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette toute forme de résistance qui ne veut pas me voir porter mes enfants. Je rejette tous les résultats médicaux qui refusent de me voir rire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je fais augmenter ma foi. Ma foi éternelle, elle devient inébranlable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir assigné à m'affaiblir éternel meurt aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pouvoir éternel, papa, assigné éternel à me faire mettre éternel dans la honte, reçois le feu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ma foi, Seigneur, soit barricadée dans le feu de Jésus-Christ. Je prends les capsules du sang de l'agneau immolé qui me donne la victoire, qui me donne l'autorité, Yaya, d'aller de l'avant. Au nom de Jésus, afin que tout homme fort, assigné éternel à me faire tomber, à me voir mourir, reçoit le feu au nom de Jésus. Tout esprit anti-miracle, anti-fertilité, loin de moi, recevez le feu, sortez de là, au nom de Jésus. Oubliez mon adresse maintenant, get out, au nom de Jésus, by fire, by force. Chez nous, tout va bien. Je rejette l'opinion négative de mes desseins concernant ma fécondité, concernant mes bébés, concernant mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, papa, quelle que soit l'augmentation de mon âge qui est en train d'affaiblir, éternel, papa, le taux de grâce ou de faveur, Yaya, moi, aujourd'hui, je déclare et décrète que je suis féconde. Je croirai toujours, éternel, au rapport du Seigneur et non aux rapports médicaux, parce que c'est toi, Seigneur, le docteur des docteurs de médecins par excellence. Rentre dans mon ventre, éternel, mon Dieu, et aide-moi à procréer, à porter mes jumeaux, mes triplés, éternel, à porter mes bébés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi vrai que je suis dans Clozel, ministre éternel, la stérilité est loin de moi. Tu as fait pour ta fille Clozel. Aujourd'hui, éternel, fais pour moi. Tous les rapports médicaux, éternel, papa, je les rejette. Je rejette, éternel, papa, chaque rapport. Les rapports que je dois, tu choisis ce que toi, les médecins, t'ont dit. Alléluia. Et tu vas le rejeter. Tu vas dire, éternel, je le rejette. Manque alors d'ovaires. Manque alors des trompes. Et les trompes bouchées. Absence d'ovulation, blocage des trompes alors de Fallope, utérus anormal, petit utérus, manque alors, comment est-ce qu'on appelle ça, manque alors de glaire cervicale, ablation chirurgicale de l'utérus, absence congénitale de l'utérus, survenue à l'intérieur d'une fausse couche, quoi encore, les tumeurs telles que les fibromes, les kystes ovariens, quoi encore, endométriose, quoi encore, cite cette maladie, peut-être que moi je la connais pas, cite-les dans les commentaires, faible de taux de nombre de supermarchés, spermatozoïdes pour ton mari, oligospermie, oligospermie, azospermie, au nom de Jésus, l'absence de spermatozoïdes dans le corps de ton mari, ablation des trompes ou absence congénitale des testicules, au nom de Jésus-Christ, testicules non descendus, testicules remontés, testicules anormales, aujourd'hui le feu de l'Éternel s'allume, au nom de Jésus, va dire éternel, Seigneur, lève-toi, annule tous les rapports éternels, mon Dieu, mon roi, fibrome éternel, mon Dieu, mon roi, fibrome, myome éternel, toutes les maladies que toi tu connais les noms éternels, lève-toi et opère le verdict, papa, surnaturel, le verdict divin au-dedans de moi. J'annule éternel tous les verdicts spirituels ou physiques éternels, contraires à la promesse de Dieu dans mes entrailles. Au nom puissant de Jésus, Seigneur mon Dieu, lève-toi, transforme éternel, papa, mon superbe. Je demande au papa de s'élever en réalisation.
à la réalisation que mon épouse porte ma grossesse, au nom de Jésus, j'appelle le surnaturel, une conception réussie éternelle. Ô éternel, le Dieu des femmes de foi, le Dieu de Clausel Ministries, la foi triomphante, lève-toi éternel, transforme, papa, de nombreux problèmes dans les supermatozoïdes de mon mari éternel, dans les supermes de mon mari en surnaturel, Seigneur, afin, papa, qu'il atteigne, papa, son objectif éternel et que je devienne divinement enceinte. Seigneur, mon Dieu, fais que ma conception soit certaine, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, lève-toi éternel, remplace ça, chaque superbe pourri, détruit éternel par les maris de nuit, les femmes de nuit éternel, en miracle maintenant au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi, remplace éternel, papa, chaque superbe, papa, immobile éternel, mon Dieu, mon roi, dans mon corps, en superbe mobile au nom de Jésus, lève-toi éternel, remplace éternel, mon Dieu, mon roi, chaque superbe lent, en superbe extra, papa, ordinairement fort et rapide au nom de Jésus-Christ éternel, mon Dieu, mon roi. Remplace éternel, papa, et fais rentrer, papa, le surnaturel. Fais augmenter l'excitation dans mon lit conjugal éternel. Que la faiblesse sexuelle meure et tombe au nom de Jésus-Christ. Que la frigidité tombe éternel, mon Dieu, mon roi. Lève-toi et remplace éternel. Chaque superbe éternel, papa, mort au superbe vivant pour donner des enfants bonne santé rebondissant. Au nom de Jésus, tout homme éternel fort, femme forte éternel, qui me donne, papa, du fil à retordre dans mon mariage. Que la terre, papa, s'ouvre et l'avale. Chaque femme avec laquelle, papa, je suis passé dans mon passé, papa, je te demande de déclarer. Maman, fais écouter cette prière à ton mari, il doit déclarer. Chaque femme qu'il a connue dans son passé, qui a avalé son supermatozoïde, pour lui donner alors la ligospermie, ou je ne sais pas, azopermie, je ne sais pas quoi, au nom de Jésus, reçoit le feu. Aujourd'hui, l'Éternel le démantèle au nom de Jésus. Tout pouvoir responsable de le rendre faible, lorsqu'il est avec toi, reçois le feu au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Va dire, éternel, je te demande de rentrer dans le supermatozoïde de mon mari. Là, on l'a volé, éternel, la force. Seigneur, mon Dieu, mon roi, rends-lui cette foi maintenant au nom de Jésus. Je refuse, éternel, considérablement la mort de mon utérus, la mort éternelle de mes trompes, la mort éternelle de ma matrice, même si je ne l'ai plus, Seigneur. On a enlevé le physique, on n'a pas enlevé le spirituel. Au nom de Jésus, je récupère tout ce qui est à moi et je rejette, éternel, toute mort, papa, de l'utérus, toute mort subite éternelle, la frigidité, la fatigue éternelle, papa, le papa, le dédain dans mon foyer reçoit le feu. J'ordonne à la présence éternelle de l'utérus, papa, d'être converti maintenant en utérus, papa, normal, et Seigneur, de se lever et que les miracles commencent à fonctionner et que mon ventre commence à reproduire des bébés en bonne santé au nom de Jésus. Je refuse considérablement éternel le rapport négatif de mon utérus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette et j'annule éternel tout rapport médical négatif concernant mon utérus éternel, concernant mes trompes éternelles, concernant ma matrice éternelle au nom de Jésus-Christ. Tous les rapports médicaux me condamnant éternel, reçois le feu au nom de Jésus. Mon utérus, je te parle aujourd'hui, deviens fertile. Sors alors de l'infertilité, rentre dans la fertilité. Convertis-toi en miracle surnaturel. Oh, surprends mes ennemis comme tu as fait pour prophétesse Clausel. Surprends les médecins au nom de Jésus. Je commande à tout l'hormone de mon corps d'être équilibré maintenant, d'être équilibré maintenant au nom de Jésus. Je refuse, papa, de considérer le rapport médical négatif en manque d'ovulation éternelle, mon Dieu, mon roi, en miracle maintenant. Je rentre dans mon témoignage, je viens lier ligoté éternel, le pouvoir, la force de l'homme fort, de la femme forte éternelle contre mes entrailles, contre mes ovulations au nom de Jésus, contre mes ovaires éternels, là où c'est anormal, je déclare et décrète que ça devient normal au nom de Jésus. Je commande à mon ovulation normale, soit rétablie. Et je te parle, je dis soit rétablie. Je dis soit rétablie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que mes ovaires éternels manquants éternels, mon Dieu, mon roi, chirurgicalement ou alors congénitalement éternels, soient restaurés par la puissance de ton nom. Je viens lier, ligoter tout homme fort éternel, toute femme forte éternelle se levant contre ma fertilité. Je lis, papa, l'esprit de blocage, l'esprit éternel, papa, de bouchage de trompe. Recevez le feu et je commande au feu de l'éternel de brûler et de faire, papa, Seigneur, carboniser tout ce qui bloque éternel mes trompes au nom de Jésus. Je commande à mes trompes maintenant de sécher et de libérer toute atterrance éternelle pulvienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à la lumière éternelle de ta parole de rentrer dans mes trompes au nom de Jésus-Christ, de rentrer dans mes trompes et de redonner la vie au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, fais que chaque trompe éternelle, papa, manquant dans mon corps, papa, chirurgicalement ou congénitalement, soit restaurée par ta puissance maintenant même.
Va parler, va déclarer, va déclarer, va déclarer, va déclarer, va déclarer, déclare-le haut et fort. Je commande que chaque anomalie éternelle dans mon ventre soit corrigée divinement, surnaturellement maintenant. Je commande, Éternel, que la croissance éternelle mauvaise dans mon utérus, que papa puisse lever, Père, et recevoir le feu. Puisse lever, Père, et recevoir le feu. Je dis faya au nom de Jésus. Je dis faya, va dire faya, va dire faya, va dire faya, va déclarer faya, va dire faya dans ton ventre maintenant. Tout pouvoir responsable alors d'affaiblir ta fertilité, d'affaiblir ta joie, reçois le feu en ce jour, reçois le feu. Va dire, Éternel, je commande à mes trempes, Éternel, maintenant qui s'étaient séchées, de reprendre vie maintenant, au nom de Jésus. Je commande, Éternel, mon Dieu, mon roi, à toute forme d'anomalie, de libérer au nom de Jésus. Je récupère, mon aimé, papa, mon hormone sanguine, je récupère mes trempes, je récupère mes ovaires, je récupère, Éternel, mon utérus, je récupère mon vagin, je récupère, Éternel, tout ce que le diable papa m'a volé, je le récupère. Au nom de Jésus, je récupère, Éternel, papa, Seigneur, la joie de mon lit conjugal. Aujourd'hui, j'inverse, Éternel, les effets de vieillissement, Éternel, papa, qui se restructure, papa, mon corps, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, papa, j'appelle, Éternel, que tu rétablis, tu renouvelles, Éternel, papa, mon vagin, mon corps, mon âme, mon esprit, au nom de Jésus-Christ. Tu renouvelles, Éternel, mon couple, Seigneur, mon Dieu, que tout esprit de vieillissement, Éternel, qui fait de moi une vieille fille, vieille, vieux garçon, Seigneur, qui permet alors que je puisse pas devenir mère ou père, reçois le feu. Que chaque insuffisance, Éternel, papa, ovaire, dans mes ovaires, Éternel, soit convertie en succès, en miracle, by fire, by force. Toi, pouvoir de la résurrection éternelle, rentre dans mes entrailles maintenant. Rentre dans mes entrailles maintenant, donne-moi l'ovulation. Rentre dans mes entrailles maintenant, donne-moi mon miracle. Rentre dans mon corps maintenant, au nom de Jésus. Je te parle, maman, va déclarer. Je dis, va prier aujourd'hui à pas de Mabanga, va prier au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Toi, puissant de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, tombe sur mes ovaires, tombe sur mes entrailles, tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Je viens par là, tout mauvais esprit. Oh, vous les gars, gardiens de mes entrailles, vous les gardiens de mes trompes, vous les gardiens de ma joie, vous les gardiens de mon couple, recevez le feu. Je vous frappe d'aveuglement, de sourdité au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Que tous les motifs, l'ego que l'ennemi réclame pour la fermeture des portes alors de mes trompes, de mes entrailles, je les retire aujourd'hui dans le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus crie pour moi. Oh, le sang de Jésus crie pour moi. Que tout rapport de sang éternel au fibrome, Seigneur, contre mon utérus, soit coupé maintenant, soit brisé, soit taillé en pièces. Au nom de Jésus-Christ, que le feu, papa, liquide du Saint-Esprit de Dieu descende maintenant, coule maintenant, éternel, dans mon utérus, sur mon lit conjugal. Dans Seigneur Jésus, chaque maladie que les médecins ont détectée dans mon corps, que je connaisse le nom ou pas, éternel, by fire, by force, et je brise la puissance des fausses couches maintenant, Seigneur. Je déclare et décrète que je porterai mes enfants en bonne santé au nom de Jésus. Que le feu de l'éternel coule, éternel, papa, et dissolve toute adhésion, éternel, papa, au nom de Jésus. Tout ce qui m'empêche de rire, recevez le feu. Je dis faya, que le feu du Saint-Esprit de Dieu purge mes entrailles, afin que tout dépôt satanique sorte au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, Saint-Esprit de Dieu, lève-toi dans mes entrailles. Lève-toi dans mes entrailles. Que toutes les portes de mon ventre qui ont été fermées, oh Jésus, alléluia, alléluia, par la voix expresse du Saint-Esprit de Dieu, rentre vers la conception. Oh, s'ouvre. Je dis faya, je dis faya, 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 au nom de Jésus. Tout pouvoir éternel, papa, faisant alors que je sois toujours dans des scandales, dans la honte éternelle, que je sorte, papa, dans des mariages, dans des foyers éternels, dans la honte, aujourd'hui reçois le feu. Et je déclare et décrète, éternel, papa, le passé ne se répétera plus dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Que toute forme de stérilité, yaya, programmée contre ma joie, programmée contre moi, éternel, programmée contre mon couple, programmée contre mon mariage, soit déprogrammée maintenant, avec effet immédiat, by fire, by force. L'âge ne me limitera pas à porter mes enfants. Je viens relever le Dieu de Sarah. Au nom de Jésus, tout pouvoir réclamant mon âge vers la ménopause prématurée, lâchez prise, by fire, by force. Quel que soit mon âge, je suis dans la cinquantaine, dans la soixantaine, papa. Septantaine éternelle, quatre-vingtaine éternelle, nonantaine éternelle, mon Dieu, mon roi, centaine éternelle. Je déclare et décrète éternel que je porterai mes enfants. Tout pouvoir négatif éternel, luttant pour contrôler éternel les portes de mon ventre, soyez paralysés.
Je vous frappe de paralysie. Je vous frappe de paralysie. Toi, la puissance de Dieu, Yandarabo Shakababa, qui a relié Zacharie et Elisabeth à leur ange de percée, à leur ange de miracle, à leur ange de la fertilité. Viens aujourd'hui relier mon ange au percée de ma fertilité. Viens aujourd'hui me relier, moi et mon mari, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi et mon épouse, nous voulons témoigner. Je commande à l'homme fort qui a été chargé de me donner un ventre faux, avec des fausses couches et des morts-nés à l'appui. Recevez le feu et libérez maintenant. Je rejette les fausses couches et les avortements, Seigneur, au nom de Jésus. Je rejette, Éternel, les saignements pendant la grossesse, les douleurs au niveau du bas-ventre pendant la grossesse, Seigneur. Je les rejette, Éternel. Je rejette, Éternel, Papa, les avortements ténaces forcés par les médecins, au nom de Jésus. Je rejette, Éternel, les avortements, Éternel, du Papa au J.U. Je les brûle par le feu, au nom de Jésus. Je rejette les grossesses compliquées, Éternel, sur mon corps. Oh, reçois le feu. Oh, reçois le feu. Je dis le feu, je dis le feu, je dis le feu. Je dis fire, 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 fire. Je refuse et je renonce à chaque grossesse compliquée. Au nom de Jésus. Je rejette, Éternel, Papa, la mort maternelle ou infantile. Et je déclare et décrète, Éternel. Je rentrerai, Papa, dans la salle d'accouchement et je sortirai la tête relevée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je rejette tous les bébés, Papa, normaux qui veulent rentrer dans mes entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare et décrète, Éternel, mon Dieu. Le temps est arrivé pour moi de témoigner. By fire, by force. Alléluia. Dis fire. Dis fire. Dis Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mon bébé, Yandarabo Shakababa. Mon beau bébé. Des bébés normaux. Viens. Venez mes jumeaux. Venez mes triplés. Venez mes quintuplés. Localisez-moi. Je rejette, Éternel, Papa, tout ce qui produit du travail éternel du diable. Contre Papa, mes enfants. Contre Éternel, ma fertilité. Tout ce qui est le produit du diable. Contre la salle d'accouchement. Tout ce qui est produit du diable. Dans la vie de sage-femme ou du docteur. Je le rejette, Éternel. Je rejette tout mauvais chromosome, Éternel, qui est anormal dans mon corps. Éternel, mon Dieu, reçois le feu. Je rejette, Éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce qui va faire de moi sujet de moquerie, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, mon Dieu, lève-toi, 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 Éternel, mon Dieu, lève-toi, lève-toi et assiste ma vie, Seigneur. Lève-toi, lève-toi, Éternel, enlève toute mauvaise papa infection dans mon corps. Toute infection de mon corps éternel, de mon enfance, poursuivant ma vie, recevez le feu maintenant et libérez mon chemin au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Chaque structure anormale de mon ventre, soyez convertue alors en miracle maintenant. By fire, by force, va dire fire, va dire fire, va crier fire, va le dire fort fire et partage. Va partager, va partager. Je commande que le feu de l'Éternel, le feu du ciel, rentre dans mes entrailles et brûle chaque forme de tumeur dans mon ventre. Recevez le feu, recevez le feu, soyez transformé en feu. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui repart, Éternel. Tu es le Dieu qui me connaît mieux que moi-même, Seigneur. Seigneur, je viens à toi. Je me répands, Éternel, de tous les dommages personnels que j'ai causés, Papa, sur mon col utérin. Seigneur, que j'ai causé moi-même, Éternel, dans mon passé. Papa, tout ce que j'ai emmené dans mon corps comme traumatisme. Aujourd'hui, Éternel, je me répands et je commande, Éternel, à tout ce qui entraîne, Papa, la mort d'une grossesse, Yaya. Tout ce qui entraîne, Éternel, la grossesse utérin, Éternel. Tout ce qui entraîne, Éternel, les fausses couches. Libérez mon adresse, libérez mon couple, libérez ma maison, tout ce qui bloque mon sang éternel. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu le sang. Reçois le feu. Je commande, Éternel, à l'homme fort qui a été, Papa, chargé, Papa, de chiffonner mon ventre, Papa, d'évacuer, de sortir, de libérer tout ce qui s'est levé, Éternel, contre Papa, les progestérones ou d'autres hormones, Éternel, Papa, de mon corps. Recevez le feu. Je dis le feu. Je commande au démon, Éternel, derrière, Papa, l'insuffisance, Éternel, Papa, de mon corps. L'insuffisance, Papa, Seigneur, que je ne sois pas, Seigneur, à la hauteur de porter des enfants. Oh, libéré. Oh, que je connaisse ton nom, que je ne connaisse pas. Que je sois en français, en lingala, en n'importe quelle langue. Sors. Libère by fire, by force. Je t'ordonne de t'en aller maintenant. Seigneur, ôte de moi toute forme d'angoisse de la vieillesse. Enlève la peur éternelle de mon âge. Enlève la peur éternelle de ma ménopause. Enlève la peur éternelle. Oh, ma vie à moi, je suis femme de foi. Ma vie reçoit le mandat divin de faire valoir alors les prières comme le droit de conception, le droit de porter des enfants, le droit d'aller de l'avant, le droit de rire. Yandarabo Shakababa Koriana Manashikemene.
Corrige Kanamana Chique, que chaque barrière, chaque barrage routier satanique qui se montre devant moi, qui se lève éternel contre papa mes ovules, contre les supermes de mon conjoint éternel, contre mes trompes éternelles, recevez le feu. Soyez démantelés maintenant. Recevez le feu. Que tout muraille papa satanique qui me sépare entre moi et mon ovulation et le supermatozoïde de mon mari soit détruit par le feu de l'éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mes trompes éternelles, papa Seigneur, soient restaurées, soient libérées, soient repoussées maintenant. Puisse alors croître. Au nom de Jésus, j'appelle aux matrices éternelles de reprendre vie maintenant. Je retire éternel partout là où mes trompes ont été enterrées. Dans les hôtels, papa satanique. Dans la maison de la sorcellerie de mon père, de ma mère éternelle. Libérée, je dis libérée. Je dis libérée, c'est à mon tour maintenant de concevoir. Que toute mauvaise sémence éternelle, mon Dieu, mon roi, qui ne me permet pas de bien fonctionner, Yaya, reçoit le feu. Chaque infection éternelle dans les trompes meurt aujourd'hui. Chaque papa micro-organisme, papa creusant dans les infections de mon passé et dans mon ventre, recevez le feu. Le feu, je dis faya. Je dis faya, 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 faya. Toi, la puissance de Dieu qui transforme les qui a transformé les destins, la destinée de Anne en miracle. Rentre-moi maintenant et donne-moi mon Samuel. Donne-moi mon propre Samuel. Rentre au-dedans de moi. Donne-moi la vie. Toi, puissant du Saint-Esprit de Dieu, éclipse de ma vie. Maintenant, change mon histoire. Réveille-moi. Relis-moi avec mon propre bébé, avec mes propres jumeaux. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, viens faire revivre mon ventre. Viens faire revivre, papa, mon lit conjugal. Au nom de Jésus, que chaque enfant mal formé, éternel, mon Dieu, dans mon ventre, qui persévère éternel de revenir, reçoit le feu éternel et libère au nom de Jésus. Chaque enfant éternel formé dans mon ventre, soit éternel un enfant qui va arriver, papa, à terme, au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, je viens parler à tous les vents, aux quatre vents éternels, papa, que les guérisseurs, les marabouts, les sorciers éternels ont utilisé pour souffler dans mes organes. Aujourd'hui, recevez le feu. Et j'élève Ézéchiel 37 au nom de Jésus dans mes entrailles. Ézéchiel 37, 1 à 10 éternel, je le relève maintenant au nom de Jésus. Dieu des armées, lève-toi, retire mes organes éternels de toute banque de sang satanique, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est lié à la fécondité, retenu éternel dans le monde des ténèbres, recevez le feu. Hey, je te parle, reçois le feu, Seigneur, là où ma gloire éternelle, papa, a été vendue, la gloire de la fécondité, recevez le feu au nom de Jésus. Je parle à la honte, ne viens plus dans ma vie, oublie mon adresse, au nom de Jésus. Que le feu de Dieu fasse bouillir maintenant toutes les infirmités dans mon ventre et que ça sorte by fire, by force, par la puissance créatrice du Dieu vivant. Seigneur, toi tu travailles, papa, dans la vie des femmes de foi. Donc Closel Ministries à foi triomphante, viens travailler aussi pour moi, éternel. Viens me donner aussi mes enfants, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire du Dieu vivant rentre dans mon esprit, rentre dans mes entrailles et crée alors les organes. Alléluia. Hey, est-ce que je te parle? Recrée, éternel, mes organes. Recrée, éternel, mon ventre. Recrée, éternel. Recrée, Jésus. Reviens recréer. Viens recréer. Viens recréer by fire, by force. Seigneur, recrée les organes. Remplace éternel, papa, là où il y avait la maladie, là où il y avait la mort éternelle, par la bonne santé, au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, fournis-moi les pièces de rechange d'organes dans mon corps. Est-ce que je te parle? Écoute-moi très bien. Ouvre ton cœur là où tu es. Dis, Seigneur, donne-moi, remplace, papa, tu as les pièces de rechange. Remplace éternel dans mon corps. Remplace, hey, yandarabo shakababa, koriyana mana shindereke, korishka namana shike, yandarabo shakababa, yandarabo shindereke, Coria Baba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-moi les pièces de rechange de mes organes éternels reproductrices. Guéris-moi éternel de cette maladie dans mon corps qui m'interdit de porter des enfants. Toi le chirurgien céleste, toi le chirurgien céleste, lève-toi, visite-moi au nom de Jésus. Docteur Jésus, où es-tu? Visite-moi. Visite-moi par la puissance de ton nom éternel. Viens abattre tout arbre éternel, papa, d'infertilité, de maladie, de la honte éternelle ténace, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète que je suis féconde. Je déclare et décrète que je suis productive. Je déclare et décrète que la stérilité est loin de moi. Toute écriture des ténèbres éternelles visant ma santé. Seigneur mon Dieu, reçois le feu aujourd'hui. Au nom de Jésus, mes organes, je vous ordonne maintenant de prendre vie. Au nom de Jésus-Christ, chaque organe éternel de mon corps reprend vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, la puissance créatrice du Dieu vivant est en train de circuler, est en train de travailler, est en train de mouver, est en train de bouger. Oh, reçois
reçois au nom de Jésus. Je viens lier tous les esprits de mort opérant dans mon corps, opérant dans mon couple, opérant dans ma belle famille. Va parler. Quelle la mort est rentrée où? La mort est passée où? Qu'est-ce que la mort a fait dans ta maison? Les morts nés, les bébés nés, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu des bébés? La puissance de la résurrection vient maintenant sur mon lit conjugal. Viens dans ma santé, dans mon travail. Viens dans la vie de mon mari, dans ma belle famille. Viens agir, va parler. Va parler, va parler, va parler. Va déclarer, va déclarer, va déclarer. Va déclarer, dépêche-toi, va chuter. Va déclarer. Dis, je commande alors à chaque mort des os de reprendre vie. Oh, tous les os morts de mon corps, reprenez vie maintenant. Reprenez vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon corps reprend vie maintenant. Mon corps reprend vie aujourd'hui. Mon corps reprend vie. Andarabo shakababa. Koriana mana shindereke. Koriana mana shike. Alors que j'écoute éternel, ta parole, les miracles s'opèrent. Alors que j'écoute éternel ta parole, les miracles s'opèrent. Ma délivrance se lève au nom puissant de Jésus-Christ. Les miracles s'opèrent. By fire, by force. Les miracles s'opèrent au nom puissant de Jésus. Yaya, les miracles s'opèrent. By fire, by force. Les miracles s'opèrent. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Tu es le Dieu des miracles éternels. Tu es le Dieu qui agit éternel au-delà, papa, de nos attentes. Au nom de Jésus-Christ, viens opérer Jésus. Viens opérer éternel. Viens opérer, éternel, mon Dieu. Viens opérer, Jésus-Christ de Nazareth, toi, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Viens opérer, Dieu des armées. Viens opérer, éternel, mon Dieu, dans la vie de toutes les personnes qui me suivent. Viens opérer, ô Jésus-Christ de Nazareth. Viens opérer, mon papa. Viens opérer dans ce groupe éternel. Viens opérer dans la vie de toutes les personnes qui me suivent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que le diable a posé, éternel, papa, dans les entrailles de tes enfants, reçois le tonnerre de feu. Au nom de Jésus, soyez brûlés, soyez rôtis, soyez calcinés. By fire, by force. Soyez brûlés, soyez rôtis. Au nom de Jésus. J'appelle la vie éternelle, papa, sur les eaux de mes entrailles. J'appelle la vie éternelle sur les eaux de mes entrailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes mes mauvaises éternelles, des sages femmes, des docteurs éternels, posez sur mes entrailles pour me condamner à la stérilité. Recevez le feu. Soyez rôtis. Soyez brûlés. Je commande éternel à tous les gardiens éternels, papa, de mon ventre, de recevoir le feu. Tous les gardiens éternels que j'ai fait rentrer dans mon sexe en me masturbant éternel, qui ont affecté éternel mon corps, recevez le feu. Je détruis dans le nom de Jésus-Christ tout nos noms, papa, qu'on m'a donné, tous les noms éternels sataniques qu'on m'a donné, en me déclarant stérile, en me déclarant stérile, recevez le feu au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je respire la vie et je rejette tout esprit de mort. Je respire la vie, mes entrailles respirent la vie, mes entrailles rentrent dans la vie, mes entrailles sont restaurées au nom de Jésus-Christ. Mes entrailles éternelles respirent la vie au nom de Jésus. Je récupère chaque miracle éternel que j'ai perdu par incrédulité, par doute, par peur éternelle. Maintenant même au nom de Jésus, perds de gloire, Père de grâce. Oh Jésus, viens créer l'incréé. Viens créer à nouveau. Viens opérer à nouveau dans tous les domaines de la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, dis Seigneur, libère mon ventre. Libère ma joie. Libère mon mariage. Libère ma santé. Libère mes bébés, éternel, mon Dieu, dans des cages de la sorcellerie, de la maison de mon père, de la maison de ma mère éternelle. By fire, by force. Tout ce qui m'oblige, papa, à pleurer, à être dans la tristesse, à être éternel, mon Dieu, mon roi, dans le déni, à être toujours refusé, à être toujours rejeté, reçois le feu. Je commande éternel à toutes les plantations éternelles de ma vie de sortir. À la racine éternelle, je les ordonne de sortir. Je les ordonne de sortir. Au nom de Jésus, pose ta main sur ton ventre et va alors répéter sous les zones soulignées. Où est-ce que tu as mal? Qu'est-ce qui te retient? Va dire, Seigneur, je commande à toutes les plantations éternelles de ma vie, toutes les plantations sataniques éternelles, qu'on m'a imposé, sortez, 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 sortez by fire, by force. Je prie efficacement, éternel, pour rentrer dans ma fécondité, dans mon miracle. Tu vas commencer maintenant à rentrer dans ta saison, à rentrer dans ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais te demander maintenant, Yandarabo Shakababa, commence à tousser. Commence à tousser, tous. Commence à tousser. Tu vas tousser, commence à tousser. Tu dois compter 21 fois. Commence à tousser. Alors que tu es en train de tousser, commence à tousser. J'ai dit commence à tousser, commence à tousser. Commence à tousser, commence à tousser. Commence à tousser maintenant. Commence à tousser. Commence à tousser 21 fois. Commence à tousser fort. Tousse alors fort. Tousse alors fort. Commence à tousser.
Que toute nourriture que tu as mangée dans ton sommeil sous la table du diable, sous la table de l'ennemi, vomis-les par la foi, au nom de Jésus. Commence à tousser, vomis-les par la foi. Alléluia, alléluia, expulsion totale. Soyez amortis maintenant. Sortez by fire, by force. Commence à tousser. Je dis commence à tousser. Je dis commence à tousser maintenant. Que toute nourriture qu'on t'a imposée dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, sort maintenant. Get out by fire, by force, tu dois être libre. Maintenant, bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Avale, avale, avale. Prends ton eau maintenant. Avale, avale, avale ta salive maintenant. Au nom de Jésus, prends les capsules du sang de Jésus. Prends le capsule du sang de Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Déclare et décrète. Je bois les capsules du sang de Jésus. Je bois les capsules du sang de Jésus. Je bois les capsules du sang de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus Christ, tous les matériaux négatifs, toutes les choses éternelles négatives circulant éternelles dans mon sang, dans papa Seigneur Jésus, ma circulation sanguine, soit évacuée. Je dis soit évacuée. Je dis sortez. Je dis libérez. Au nom de Jésus, je bois le sang de l'agneau immolé. Yandarabo Shakababa. Pose ta main sur ton ventre maintenant. Commence à déclarer et décréter. Je suis libre. Je suis libre de toute oppression, de la mort, de la souffrance, de la maladie curable et incurable, de tout ce qu'on m'a imposé. Au nom de Jésus, pose ta main sur ton ventre maintenant. Touche ton nombril maintenant. Commence à prier comme ceci. Commence à prier avec foi. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu brûle de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Tout ce que l'Éternel n'a pas planté, tout ce que l'Éternel n'a pas mis, commence à brûler, commence à brûler, commence à citer qu'est-ce qu'on a dit sur ta santé, sur ton cas. Commence à mentionner tes organes. Maintenant que le feu brûle dans tes reins, dans les foies, dans les intestins, dans le sang, dans le cœur, dans les trompes, Yandarabo Shakababa, dans la matrice, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que le feu de l'Éternel rentre maintenant pour toucher le bangala de ton mari, au nom de Jésus. Brûler, calciner tout ce que papa n'a pas planté dans son corps. By fire, by force, je parle. Oh, toi, stérilité. Alléluia, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta durée, quel que soit le temps que tu as fait dans mon corps, get out maintenant, au nom de Jésus. Sors de mon corps, sors, sors, sors. Je t'ordonne de sortir, je t'ordonne de libérer, je t'ordonne de t'en aller. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, Seigneur mon Dieu, mon roi, alléluia, alléluia, alléluia. Je me coupe aujourd'hui éternel, de tout esprit de naissance, du côté de mon père, du côté de ma mère éternelle. Je coupe mon nom éternel de famille et je rentre dans le Melchisédek. Au nom de Jésus, Yandarabo Shakababa, Faya. Hey, Yandarabo Shendereke, Faya. Au nom de Jésus-Christ, je sors éternel, papa, du lien tribal, maléfique éternel, du côté de mon père, du côté de ma mère. Au nom de Jésus, le feu de l'éternel éternel brûle au-dedans de moi, brûle au-dedans de moi. Hey, 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 Faya, Faya. Faya, 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 faya. Hey, 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 hey. Yandarabo Shakababa. Koriana mana shindere keyakababa. Faya, 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 faya. Éternel, mon Dieu, mon roi. Hey, my God. Hey, my God. Hey, Jesus. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Hey, l'Éternel. Où est le Dieu de Anna? Où est le Dieu? Où est le Dieu de Sarah? Yandarabo Shakababa. Je déclare et décrète que je suis féconde. Je déclare et décrète que je suis féconde. Éternel, je coupe tout esprit éternel, papa territorial. Éternel de la malédiction du côté de mon père, du côté de ma mère, éternel faisant couler mes larmes. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit de Dieu purge mon corps, mon âme, mon esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Koriana mana shindereke, korishka namana shike, rababa baba, kandara mana shindereke, koria baba shike mene, koriana mana shindereke yakababa. Au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ éternel, laisse que les miracles prennent place, laisse que les miracles prennent place. Maintenant éternel dans mon corps, je brise éternel toute emprise maléfique du côté de ma belle famille éternelle. Au nom de Jésus, je passe éternel de l'esclave, alléluia, à la liberté. Je passe éternel de l'esclavagisme à la liberté éternelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Grande montagne qui es-tu devant moi? Tu es aplani au nom de Jésus-Christ. Tu es aplani by fire, by force. Je reçois mes bébés maintenant. Je reçois mes bébés maintenant. Mon ventre reçoit l'onction de la fécondité. Reçoit l'onction de la fertilité. Reçoit l'onction des bébés. Je reçois mes bébés maintenant. Je reçois mes enfants maintenant. Je reçois la bonne santé maintenant. Je reçois la restauration maintenant. Je reçois éternel papa.
papa. Ézéchiel 37, verset 1 à 10. Je reçois éternel. Je reçois éternel. Et je prophétise éternel, papa, dans cette page. Seigneur, je prophétise éternel sur cette chaîne. Aucune femme éternelle ne va demeurer stérile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit éternel des rapports médicaux. Quel que soit qu'elle soit noire, blanche, éternelle, jaune, rouge. Au nom de Jésus, je brise la puissance de la stérilité. Au nom de Jésus, et j'appelle des bébés de l'Orient, de l'Occident. Que le vent des quatre vents éternels souffle maintenant. Que l'esprit des quatre vents éternels souffle maintenant. Que l'esprit des quatre vents éternels souffle maintenant. Souffle éternel dans ce groupe. Souffle maintenant sur cette chaîne. Souffle éternel dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, merci parce que tu m'exauces toujours. Père, merci parce que tu m'écoutes toujours. Seigneur, merci pour la prière exaucée. Seigneur, dans chaque ventre, je place éternel les capsules du sang de Jésus. Dans chaque entraille éternelle, je place éternel le sang de l'agneau immolé, le sang de la victoire, le sang du succès, le sang du miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, sur chaque entraille, je mets le sang de Jésus. Sur chaque entraille, je mets le sang de Jésus. Sur chaque ventre, oh mon Dieu, mon roi, je mets le sang de Jésus. Sur chaque ventre maintenant, je mets le sang de Jésus. Je mets les capsules du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu des armées, Dieu des miracles, Dieu de la délivrance. Seigneur, merci parce que tu es là au milieu de nous. Seigneur, viens briser. Seigneur, viens continuer à agir. Reçois tes bébés, reçois tes enfants, reçois que toute forme de condamnation soit annulée contre ta joie. Reçois tes bébés. Je déclare et décrète que tu accoucheras des enfants, tu tomberas enceinte et accoucheras comme les femmes hébreux. Au nom de Jésus, finis la honte, finis la désolation. Au nom de Jésus-Christ, finis la honte, finis la désolation dans ta vie. Rentre dans la gloire, rentre dans ta saison. Prends tes bébés maintenant. Est-ce que je te parle? Prends tes bébés maintenant. By fire, by fire. Force, my Lord. Prends tes bébés maintenant au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Avant la fin de ce mois, reçois ton témoignage maintenant même au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Éternel, merci pour l'exaucement.